Très bien. Eh bien, bonsoir. Ce soir, soirée spéciale Shadowhunters, car UCL fait partie des 18 dates en France qui font le Shadowhunters Tour. Le Shadowhunters Tour. Que sont les pas. D'accord. Non, enfin, c'est... Il reste que t'as mal. Il y a des points. Shadowhunters Tour. Le Shadowhunters Tour. Donc, le Shadowhunters Tour. Un jeu créé par Yasutaka Ikeda. Et donc, c'est sorti chez les éditions du Matago. Tout à fait. Qui sont un nouvel ami de Chamboultou. Parce que jusqu'à présent, on n'avait aucun jeu Matago chez Chamboultou. C'était une lacune. Et puis, on est content. Surtout que ce jeu en vaut vraiment la peine. Donc, ce jeu, on peut en parler un petit peu. Oui. Avant que la soirée ne batte son plein, que tout le monde arrive, qu'on fasse un tournoi et qu'on présente le jeu à tout le monde. Les lettres avec vos personnages en fait pour. Quand t'arrives à ton coin, tu meurs. Donc, à mettre ton histoire, t'es prêt à gagner. Alors, il prend place dans un monde fantastique, peuplé de vampires, loups-garous et de chasseurs qui les traquent. Ainsi que les de. Les Hunters. Oui, les Hunters qui traquent les Shadows, donc les créatures de la nuit. Et au milieu de cette guerre entre deux clans, il y a des personnes neutres. Donc tout ça, les personnages, c'est matérialisé par des cartes, les cartes personnages. Chacun a une carte personnage qui est distribuée au début de la partie et qui dit donc si on est un Hunter, un Shadow ou un Suisse. Les adversaires ne savent pas à qui ils ont affaire. Et grâce à certaines cartes, ils vont pouvoir s'armer ou essayer de connaître l'identité des autres participants. Donc il y a des cartes de la voie de la lumière, cartes ténèbres et les cartes de vision. Qui permettent donc d'obliger les adversaires à révéler partiellement leur identité. Est-ce que t'as mal? Selon les personnages, en fait, il y a des caractéristiques spéciales et les buts ne sont pas les mêmes. Certains doivent remporter la victoire en éliminant tous les Shadows ou tous les Hunters. Certains, c'est il y a un personnage neutre, c'est s'il meurt le premier. La victoire lui est acquise, donc il peut y avoir des retournements de situation, chacun ne va pas opérer de la même façon. Sur le plateau, on dispose aussi les cartes des lieux où vont avoir lieu les affrontements. Piocher une carte lumière. Tout à l'heure, on avait eu au Donc il y en a un qui va gagner un Shadowhunter ce soir. Et on va faire un petit tournoi et puis on verra qui est le plus digne de marcher au milieu des ténèbres et de sortir victorieux de cette lutte. J'ai envie de dire. Dis-le. Je le dis. Il faut que ce soit quelqu'un de courageux qui s'en sorte. Mmh. Et de funky aussi. Funky. Mmh. Allez, parce qu'on peut être les deux à la fois. Yeah. C'est sympa. Non, franchement, c'est sympa. Ouais. C'est bon sur France 3, It's a good job. Game. C'est un jeu long. Ça, c'est marrant. Non, c'est bien. C'est un super jeu. Moi, j'aime bien. C'est un peu le même principe que Wanted et c'est vachement sympa pour les personnages qui sont cachés. On ne sait pas qui est qui. C'est un bon mélange entre plusieurs principes que j'aime bien. Si je gagne, il est bien. Si je perds, du Wanted, du... Bon jeu convivial et fun. Et du garou aussi. Du loup-galou. Bah Shadowhunters, sympathique. J'aime bien le design des cartes et tout ça. Vivement qu'il y ait des extensions. On sait pas qui est qui. Bah moi c'est un jeu que j'ai bien aimé parce que les règles sont très simples. C'est pas difficile à jouer. On se met tout de suite dans le jeu, c'est très sympa. Voilà. Ça fait pas mal. Et il faut pas faire de conneries. Par exemple, il faut pas me tuer quand on sait pas qui je suis. Voilà. Très bien. Sympa, bonne ambiance à la table. Non, c'est très très bien. J'ai bien aimé. Par contre, il faut bien deux parties, voire trois pour bien comprendre toutes les cartes. Mais c'est sympa. Merci. Moi j'aime beaucoup. Parce qu'il y a des références européennes et asiatiques. Et le mélange marche bien. Ça rappelle beaucoup le jeu de rôle aussi. Et c'est un milieu qui me plaît beaucoup. Et il peut y avoir des revirements de situation selon la façon qu'ont les gens
joué de façon subtile, plutôt bourrine, disons-le franchement. Mais ça peut se retourner contre eux. Des alliances peuvent se créer, on peut tuer aussi ses alliés. Je trouve que le jeu est très bien mis. J'ai fait juste une partie, donc je ne peux pas trop me rendre compte. Mais je veux bien en faire une deuxième et une troisième pour bien comprendre le jeu. Il peut se passer beaucoup de choses dans une partie, j'aime bien. Puis le background est sympa. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux pas attaquer ? Ben alors ? Les mélanges. Qu'est-ce que tu fais ? Attends, il y a des coups de hache avec deux ponts, deux tombés. Oh, doucement. Et j'ai mis une d'abord sur les bords déjà. Petite fille qui venait. Moi ? J'avais bien de l'avance sur le jeu. C'est qui gagne ? Ouais. T'as 10 dégâts d'un coup. Et puis moi, bon. Et il est bien le jeu quand tu gagnes. Bien joué. Très content d'avoir gagné ce jeu qui est très bien. Voilà. Et je remercie Chamboultou, bien sûr. Je pense qu'on a tout dit là. Ouais. On peut faire une danse nue ou. Je sais pas. Quelque chose comme ça.